Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. On partage le live. Trop de désordre, non? Faut qu'on range un peu les choses. On a trop bavardé. J'ai pas mis. Jamais sans ma chienne. Ma chienne, on connaît. Jamais sans, on connaît. Coucou, Blanche. Blanche-Neige. Coucou. Merci Blanche, mais oui, j'espère que tu vas bien. Voilà, essayez de partager le live, ma famille. S'il vous plaît, bipez-moi toutes les jacasseuses de la toile qui jacassent comme si elles avaient avalé la radio. Vous positionnez. Qu'elles viennent positionner leurs fesses ici, là. Qu'elles viennent positionner leurs fesses. On parle un peu. Parce que là, nous sommes perdus, hein. Franchement. Coucou Tata Paulette, Tata Paulette, fort. Vous allez à commander vos chaînes, la famille. Je vends les chaînes, 5 000 francs la chaîne. Ça ne change pas. Commandez vos chaînes chez la Lionne officielle. Pardon, encouragez votre Lionne. Encouragez votre Lionne dans l'entrepreneuriat. Voilà. Je me suis lancée dans la vente des bijoux. Voilà. Et j'ai commencé par ceux que j'ai testés et qui est bien. Et je suis encore en train de tester d'autres pour être sûr de la qualité que je vends. Voilà. Vous savez, quand vous vendez les bijoux, il faut beaucoup de précautions. Voilà. C'est un peu ça. Donc, tu portes comme ça, tu te laves même avec, ça ne change pas. Ça dépend de la qualité. Moi, je vends la qualité aux gens. Je ne vends pas la quantité, je vends la qualité. D'accord, mes doudous d'amour. D'accord? Donc, pour tous ceux qui veulent la qualité de la chaîne, contactez la Lionne officielle. Oui, il y en a, c'est disponible. C'est disponible, Maman Madeleine. C'est disponible. La chaîne, c'est 5 000 francs. Pour tous ceux qui vivent en Europe, j'expédie, j'ai trouvé un réseau d'expédition. En gros, une semaine, vous avez votre colis. Une semaine, ça dépend, peut-être 3 jours si on envoie vite. Donc, ça coûte 5 000 francs. Et quand vous prenez, je crois qu'ils expédient 6 chaînes. Ils m'ont expédié 6 chaînes à 6 000, ou c'est 6 800, ou c'est 7 000, un truc comme ça. J'ai pas trop regardé le bordereau. Et quand je rentrais, il n'avait plus sur moi. Ça s'est mouillé. J'ai dû perdre ça. Donc, je crois que ça ne dépasse pas 7 000. Maintenant, ça qui me dit. J'ai mis le ventilateur sur moi. Hey, moi ça peut me tuer. Hey, je vais positionner ça où? Hey, j'ai mis ça tout droit dans mes narines, dans ma bouche. Bonsoir, coucou, tu ne travailles plus avec la Diosa. La Diosa, c'est ma soeur. Est-ce que j'ai travaillé avec elle? Je l'aidais.
Bonsoir la lionne. Tu envoies en France. Oui, j'expédie en France. J'expédie en France. Très moins cher. Et là où j'ai trouvé le réseau d'expédition, je suis tranquille avec mes clients. Tout ce que je vais vendre, quel qu'en soit là où vous êtes, commandez, n'ayez pas peur. L'expédition est moins chère. Parce qu'avant, je me lamentais dans le business parce que comme la plupart de mes fans, de mes abonnés sont de la diaspora, je me souciais que mais tu vas payer 80 000 ou 50 000 ADH, quelque chose là. Et puis, ça coûte cher. Si quelqu'un prend peut-être 5 ou 10 chaînes, tu vas payer dans les 4 ou bien 80 ou peut-être 50 ou 40. Non, non, non. Donc, quand j'ai trouvé le réseau CS, m'a dit Dieu merci. Donc, commandez vos chaînes. Il coûte 5 000 francs. Ça ne change pas. Tu peux même te laver avec. Mais je vous conseille de ne pas vous laver avec les chaînes parce que souvent, le savon va rester sur les perles ici, sur les petits trucs là. Mais sinon, tu peux te laver avec et tu es tranquille, quoi. Ça ne change pas. Voilà. J'ai les boucles comme ça qui ne changent pas aussi. Mais j'ai pris une collection de boucles que je suis en train de voir. Je porte de temps en temps quand je sors pour voir un peu si ça change ou pas. Bon, je suis en train de faire les tri des bijoux qui sont de bonne qualité. Voilà. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Donc, aidez-moi juste à faire écouler les marchandises quand vous pouvez vous commander. Même si vous prenez 5, même si vous prenez 2, même si ça dépend, même si vous voulez offrir, même si vous voulez offrir à votre voisin, à vos gens au pays, achetez pour encourager votre lionne. Mais déjà, ces chaînes habillent. C'est-à-dire, quand tu t'habilles même n'importe comment, tu portes ta petite chaîne si tu es trop sexy avec. Surtout quand c'est la qualité. Parce qu'il y a le faux, hein. Il y a beaucoup de faux. Il y a beaucoup de faux dehors. Beaucoup, c'est ça. Mais ma part, c'est la qualité. Coucou, Tata Suzanne. D'accord, Michel Dora, d'accord. Merci, Sorel. Partout, même aux USA, j'expédie partout. Eh. Quand elle dit que j'expédie partout, vous ne comprenez pas. Eh, maman Madeleine, j'expédie partout, aux États-Unis, en Europe, partout. Hein? Maintenant, quand tu fais les achats pour qu'on expédie, pour qu'on ne te bouffe pas, tu dois peut-être prendre au moins 5, non? Donc, dans les 25 000 comme ça, je mets, ça fait 6. Parce que quand tu prends 5, pardon, je t'offre une chaîne gratuite. Donc, ça te fait 6 chaînes. À 25 000 francs. Et tu payes l'envoi où c'est 6 800 ou c'est 7 000 là-haut, je sais pas trop. Mais ça ne déborde pas 7 000. Vu que les chaînes ne pèsent pas. Maintenant, même les kilos là où je connais là, ça ne déborde pas 10 à 15 000. Voilà. Donc, même si tu prends un conteneur de chaînes pour revendre là-bas, ça ne va pas déborder. Voilà. Donc, mes cœurs, j'espère que vous allez bien. Collectez-vous, partagez le direct, bipez les voisins. Voilà. On compte les partages. Nous sommes à combien de partages? Je vais taper sec. Hein? Voilà. Je vais, moi, taper sec. Parce que moi, je ne suis pas là le fuma. Fuma que je vois, les gens sont en train de rire comme les fous sur la toile là. Coucou Madion, c'est combien? Coucou Tata Florence Sylvie, c'est 5 000 francs la chaîne. Merci pour la Tata qui a commandé 5 chaînes aujourd'hui. Merci pour la Tata qui a commandé 5 chaînes la dernière fois aussi. Celle de la Belgique, elle a fait son dépôt tout à l'heure. Voilà. Elle a fait le dépôt de 5 chaînes tout à l'heure. Donc, je vais expédier demain. Voilà. Donc, merci à tous ceux-là qui m'encouragent. Si par moi, au moins. Si par mois, au moins 5 personnes prennent 10 chaînes, 10 personnes prennent 5 chaînes, ça fait beaucoup, ça fait 50 chaînes que je vais vendre. Et vous êtes capable de le faire. Oui. Et vous pouvez envoyer de l'argent par TapTapSend en utilisant mon code promo Lion 237.
L-I-O-N-E, 237 en majuscule. Coucou ma petite fille, ma fille d'amour Lolo Laurel, mon amour de lionceau, ma vie, mon combat. Comment tu vas ma fille d'amour? Donc, c'est un peu ça, Tata Florence. Ça ne change pas. Je t'ai dit que j'ai essayé, j'ai d'autres là-bas dedans qui ont fait 3 ans. Donc, je change seulement parce que tu ne peux pas faire 3 ans avec une même chaîne. Et surtout, moi qui aime le Nyanga, je fais les directs. Vous pouvez le faire. Mais moi, je ne peux pas parce que je fais les directs tous les jours. Vous voyez un peu. Je ne peux pas faire les directs tous les jours avec une même chose, une même chose, une même chose. Donc, ça ne change pas, Tata Florence. Ça ne change pas. J'ai bien testé et je connais la qualité que je vous vends. Je ne vous vends pas les fuma-fuma. Il y a ce qui change, ça existe. Ce n'est pas que ça n'existe pas. Il y a le faux dans tout. Dans tout. Il y a le faux dans tout. Même quand la dernière fois, je vous avais proposé la mèche, vous avez dit que oh, ça va s'attacher. Il y a cette dingue. Voilà, ça c'est toujours là. Ça danse. Depuis, ça danse. Je n'ai jamais mis l'huile sur la mèche. Je n'ai jamais mis l'huile sur la mèche que vous voyez. C'est toujours là, ça danse. Ça danse toujours. J'ai lavé une fois. Ça danse toujours. Je n'ai pas pu tirer parce que mon tube brille trop. Aïe. Tes congés si doses. Je t'ai dit que ma fille, j'ai dit que les congés forcés, j'étais malade, non. J'étais un peu souffrant. Le palu voulait me finir seulement. Le palu voulait ma mort. Mais ça va déjà, mon bébé. Donc, si vous avez besoin de la chaîne, voilà. Ok, Tata Florence. Voilà le numéro Orange Money et WhatsApp. Voilà, tu finis, tu m'envoies les coordonnées chez qui je peux envoyer. Ou alors chez toi. Ça ne dérange pas parce que beaucoup de faux profils m'envoient leurs coordonnées, j'expédie. Hein. Les coordonnées restent là où on expédie. Donc, 298 79 52 05. Encouragez votre lion. Je me lance dans l'entrepreneuriat et je compte sur vous pour me faire la recette. Déjà, merci à tous ces mamans qui me font la recette. Si par mois vous êtes seulement 10. Coucou Patou et Bonguet. La lionne, comment va ton bébé avec Loïc Chapuis? Ah. Ah non, non. Cash Money. Oh, c'est comment mon frère? Comment tu vas, Cash Money? Tu vas bien. J'ai dit que la maladie a fait jusqu'à. J'entre même encore. Je suis même encore dans Facebook même. Parfois, je tombe sur vos lives. J'ai dit qu'elle va un peu suivre les maux de tête, le foie. Comment. Pou, 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 je passe seulement me coucher. Je me couche, j'entre dans la couverture. Parfois, j'ai dit qu'elle veut suivre. Il y a les commandes à expédier. Je cours encore. Pou, 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 pou. Je finis la journée fatiguée. Je ne peux plus. Donc, du coup. Mais tout cet enjeu un peu posé, voilà. Donc, encouragez votre lionne en achetant les chaînes. 5 000 francs la chaîne. Tata Adéa, merci, merci Tata Florence pour ta commande. Donc, Tata Florence me promet prendre 5 chaînes différentes. D'accord, Tata Florence, je vais t'envoyer la vidéo. Ou alors, tu feuillettes la vidéo sur la page. Tu sélectionnes le nombre de chaînes. Tu sélectionnes la qualité, tu captures, tu m'envoies. Comme ça, je fais ton paquet. Merci pour les encouragements, la famille. Merci beaucoup. Ça habille, hein, les chaînes là, ça habille. Ça habille, tranquille. Je vous ai dit que même pour aller, vous avez vu quand je suis allée à la remise des dons, la remise de quoi là? Des trophées. Coucou Mimi Rose. La remise des trophées, je veux dire. Vous-même, vous avez vu, non? Vous-même, vous avez vu, non? À la remise des trophées, comment? Je n'avais plus besoin de me torturer. J'ai mis ma petite chaîne, ma petite boucle, tranquille. Hein? Tu ne te tortures pas. Tu vois? Parce qu'il y a les chaînes de soirée qu'on vend dans les 15 000, 10 000, tout ça, non? Tu tapes ta petite chaîne comme ça, tranquille. Tu prends seulement les designs différents. Voilà. Il suffit que si tu as une soirée, tu prends celle qui a un peu de bling-bling au bout comme ça.
Ça te fait une chaîne soirée. D'accord, Tata Michel Dora. D'accord. Donc, il y a Tata Michel Dora qui est intéressée. Il y a aussi Tata Florence. J'attends votre commande. Je compte sur vous, la famille. Encouragez-moi dans l'entrepreneuriat. Je commence un peu. J'ai préféré les bijoux parce que j'adore les bijoux. J'aime bien les bijoux. Tu as rendu Mbunga fou sur la toile. C'est quelqu'un là-bas. Mbunga, c'est quelqu'un. Mbunga, c'est quelqu'un. Quand on parle des gens, vous me parlez de Mbunga. Alien, je veux 5 chaînes différentes, mais j'ai quelqu'un à Douala à qui tu peux remettre, s'il te plaît. Je suis en Allemagne. D'accord, Koudjou, il n'y a pas de problème. Si tu veux, voilà le numéro. Tu fais seulement le dépôt. Tu m'envoies un message. Ou bien, je sais pas, tu fais le dépôt. Si tu ne veux pas qu'elle connaisse ton numéro, tu fais le dépôt. Tu demandes à la personne que je dois lui remettre de m'appeler. Tu vois un peu. Je prends maintenant, je pars livrer à la personne. Maintenant, si tu n'as pas peur de la lionne, parce que moi, je suis commerçante, je peux jamais, même si un faux profil m'insulte, je peux jamais vendre son identité. J'ai beaucoup d'identité dans mon bazar, mais je ne peux jamais. Même si tu m'insultes, je vais te dire que merci beaucoup, pas avec ta malchance. Et ne peux pas gâter mon commerce. Parce qu'aujourd'hui, Facebook, même ma foi a dit que Facebook, c'est pour chercher l'argent. Donc, si quelqu'un vient pour faire la méchanceté à outrance, il va finir comme Dolo Moulema, comme tous ces gens-là. Moi, je ne suis pas là dans le fouma-fouma. Payez vos chaînes tranquillement. Soit je vous expédie à votre adresse, soit j'expédie à qui vous voulez. Donc, Koudjou est troisième. Il y a trois déjà. Il y a trois personnes qui. Il y a deux personnes qui veulent 5 chaînes. Tata Mireille ne m'a pas encore dit combien de chaînes elle veut. Donc, j'ai déjà deux commandes de 5 chaînes. Ça fait 10 chaînes. Si vous êtes 10 comme ça par mois, je vends 50 chaînes par mois. Même si c'est. J'ai dit que même si. Même si j'ai mis 1000 francs par chaîne, même comme il y a le transport, on jongle avec. Ça fait combien? Comptez vous-même. Encouragez votre lion. Un peu. Peut-être que j'aurai bientôt un comptoir. Ne t'inquiète pas, j'ai pas peur. D'accord, Koudjou. J'attends alors, tout à l'heure, après le live, tu me fais sinon. Soit tu fais le dépôt, tu m'écris. Soit tu m'écris, tu fais le dépôt. Et vous connaissez le nom, non? D'accord, Michel aussi veut 5 chaînes. Ça fait 3 personnes qui veulent 5 chaînes. D'accord, écrivez-moi alors. Ça fait 3 personnes qui veulent 5 chaînes. Écrivez-moi, comme ça je vous envoie la vidéo. Vous capturez les designs que vous voulez. Et puis vous m'envoyez à qui je dois donner ou alors vous coordonnez, je vous expédie. Donc, c'est un peu ça. Chaque personne qui prend 5 chaînes, je lui donne un gratuit. Ça veut dire que comme tu commandes 5, tu auras 6. La chaîne, c'est 5 000. Donc, comme tu commandes 5 chaînes, tu auras 6 chaînes. Voilà. 5, tu as 6 chaînes gratuits. Et puis, tu payes tes frais d'envoi ou bien tes frais de livraison. Si ta personne est à Douala, c'est 1 000 francs. Si ta personne est à Yaoundé, c'est 1 000 francs. Donc, dans le Cameroun, c'est 1 000 francs. La livraison ou l'expédition. Dehors, je vous ai expliqué que c'est dans les 6 500, 7 000, un truc comme ça. J'ai pas pu retenir la dernière fois, mais comme je vais expédier en Belgique demain, je vais vraiment demander à combien ils ont expédié ils expédient. Donc, mais ça ne dépasse pas 6 500, 7 000. C'est quelle matière? La laine, la laine, ou c'est quoi? La lonne. Alistakam, je sais que ça ne change pas. Vous aimez qu'on vous donne les grosses matières, les gros noms. Après, quand vous portez, ça commence à gratter votre cou. Je ne suis pas dans ça. Je vous ai dit, ça ne change pas, Tata Alice. Tata Alistakam, ça ne change pas. J'ai d'autres que j'ai fait 3 ans. Plus de 3 ans même. J'ai seulement pris, emballé, gardé. Parce que je dois changer les designs. Ça ne change pas. Parce que le monsieur qui m'avait conseillé ça, c'est depuis longtemps qu'il me dit que vends les chaînes si, vends les chaînes si ça va passer. Parce qu'il y a les gens qui cherchent la qualité, mais ils ne peuvent, ils ne savent pas où s'approprier. Vends, j'ai dit que, ah pardon, laisse-moi, je suis moi dans Facebook. J'ai tourné toujours comme ça, toujours, 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 toujours comme ça. Jusqu'à ce que j'ai décidé que, bon. Pourquoi ne pas proposer? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient toujours, la lionne, j'aime ta chaîne que tu portes là. Tu vends à combien? La lionne, la lionne, la lionne, la lionne. J'ai dit, pourquoi je ne me lance pas dans l'entrepreneuriat? Donc, c'est un peu ça.
et j'ai choisi les bijoux. Voilà, ce n'est pas tout, hein, tout ce que je veux vendre. Il y a encore d'autres choses que je vais regarder. Mais la qualité, moi, je veux vendre la qualité. Je ne suis pas dans le fuma-fuma. Je ne veux pas les tchavous. La qualité. Donc, pour tous ceux qui aiment la qualité, sachez que je vais vous servir la qualité. Et ce qui me plaît sur mes fans de Mbeng, de la diaspora, d'accord, Tata Alice, ce qui me plaît, oui, surtout pour la France, oui, Michel Dora, ce qui me plaît sur mes chaînes, c'est la qualité. C'est la qualité quand la personne même va porter. Vous allez voir comment les gens vont vous demander que, mais tu as pris ta chaîne si ou pas. Parce que les bijoux comme ça manque beaucoup en Mbeng. Les petits mini trucs comme ça. Vous voyez un peu, c'est un peu rare de trouver ça. Sinon, tu vas aller dans les grands magasins, on va te dire que oh, c'est Chanel, c'est ci, oh, il faut payer. Pourtant, c'est la même matière. Tu vas payer une chaîne comme ça au moins à 20 euros, 15 euros, bonne qualité comme ça. Tu vas te dire que c'est trop high. Alors que avec les 20 euros là, tu ramasses toi. Tu ramasses toi-même trois. C'est pas ça, même deux. Tu profites. 20 euros même, c'est petit. Les vraies chaînes comme ça là, en Ben, c'est dans les 50 euros. C'est dans les 50 euros. Et tu n'es même pas sûr. Mais moi, je vous dis que je porte devant vous tous les jours. Coucou le lion de qui est? Coucou Tata Rosa, le lion de Péri, le lion de Péri. Hey Rodrigo, comment tu vas? Hey Rodrigo. Donc c'est un peu ça. Voilà. Donc, je vais me spécialiser beaucoup plus dans les bijoux, des belles. Je vais vous chercher les belles, c'est-à-dire de belles bijoux. Le genre que quand tu portes, on te demande, mais où? Tu as pris ça où? Pourquoi c'est joli comme ça? Tu as acheté où? Et tout ça. Vous me connaissez, non? Avec les bing-bing. Ah! Vous me connaissez avec les bing-bing. Les matelas, apprêtez-vous. Apprêtez-vous. Ah! Maman, un peu peut vendre comme ça là jusqu'à peut-être que l'année prochaine il commence même à faire aussi ma part la ligne de la Chine. Non, je compte seulement sur vous. Je ne viens pas dire que avec donnez-moi. Je viens vous dire que avec achetez. Je suis au pays. Si elle me débrouille pas comme ça, elle va mettre le crédit comment? Je peux bien venir dire que mettez les étoiles, mettez les étoiles, mettez les étoiles, mais je dois faire quelque chose. Je dois être utile dans la vie. Le lion de qui est? Maman. Donc, c'est un peu ça la famille. Ah, tellement vous êtes gentil en commentaire que même le japap que j'ai allumé la caméra pour faire, je n'arrive plus. Tu es captivante ce soir. Merci, El Rodrigo. Coucou, Priscille. On sélectionne où? Bon. Voilà déjà le numéro épinglé que j'ai épinglé là. Tu m'écris, je t'envoie la vidéo. Ou alors tu regardes sur ma page, en bas de la vidéo, de cette vidéo, j'ai posté une vidéo où il y a toutes les variétés de cette qualité de chaîne qui ne change pas. Donc tu sélectionnes, tu captures la qualité que tu veux. Ou alors tu me dis que la lionne, je veux la première, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième et tout ça. Donc tu essayes de sélectionner. Coucou darling Fanny Manique, c'est comment ma sistou? Comment va le bébé? Ma lionceau d'amour. Mais la lionne, tu n'es plus chez. Ouais, Seigneur, on va répondre à cette question combien de fois, Caï? J'ai répondu même 10 fois. Oh, côté beauté, tu la gères sa propre. Merci, mon lion. Le lion de qui est? Le lion de qui est, maman? Le lion de qui est? Le lion de qui est? Le lion de qui est, maman? Quand elle te voit, je suis contente jusqu'à périr. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je suis contente. Ah non, non. Frampon, donc, on attend ma vie. On attend ma vie en départ. Ouais, Dieu, non. Priscille, coucou Priscille, Jim. Jimène. Donc, j'attends les commandes. Ce soir, j'ai déjà 15. On a trois personnes qui a réservé ou quatre. Trois personnes, je pense. Admettons que c'est trois.
Je crois que c'est 4 ou 3 personnes qui ont pris 5 chaînes, donc 6 chaînes. Voilà. Donc, ça fait 15 chaînes vendues ce soir. Oh là là! Donc, confirmez-moi seulement la famille. Confirmez-moi seulement. J'attends les confirmations là, le téléphone. Faites seulement les dépôts. Vous m'envoyez là où je vais aller livrer. Et je viens faire le témoignage. C'est de ça qu'il s'agit, la famille. L'entreprise va évoluer. L'alliance va évoluer dans l'entrepreneuriat. J'ai envie de faire des grandes choses avec vous. Mais vous satisfaire en même temps. C'est-à-dire que vendre des choses qui peuvent vous aider, qui peuvent vous plaire, ce qui me plaît aussi d'abord. Vous voyez un peu. Parce que moi aussi, je veux savoir, tu n'es plus chez la Dieu. La Dieu, ça, c'est ma soeur, Madra. C'est ma soeur, je suis plus avec ma soeur, comment? Vous voulez, bon, je sais pas, je vais programmer le live là-bas à la boutique. Vous voulez qu'elle fasse ça, qu'elle fasse le live là-bas. Mais je pense que ces jours-ci, elle aura le live pour vous montrer l'arrivage. La Dieu, ça, c'est ma soeur, je pars à la boutique quand je veux, comme je veux. Hein, mes cœurs. Et a répondu à la question, la fatiguée. Donc, je dois pas m'occuper aussi de mes activités, B. Eh, Madra, je dois aussi m'occuper de mes activités. J'ai mes activités aussi à faire. Je dois évoluer. Beaucoup de gens disent que la Lyon, pourquoi tu n'ouvres pas ta part de boutique? Pourquoi tu ne fais pas ceci? Je commence un peu comme ça, non? Demain, j'aurai ma part. Je vais ouvrir. Peut-être, je vais commencer avec un comptoir ici, même à la maison, que j'expose les bijoux là. Vous-même, vous voyez. Vous-même, vous voyez comment ça bling-bling derrière vous sélectionner. La lionne, je te veux ici le 2 novembre. Madra, j'ai compris. Amen, ma soeur. Amen. On demande parce qu'on aimait te voir là-bas. Eh, qui est Judith? Vous voulez. Attends, si tu veux me voir, tu me dis non. Le jour que tu viens, je viens. Peut-être que ça tombe, le jour que tu viens à la boutique, ça tombe le jour que je ne suis pas là. Donc, le jour que tu veux venir faire les achats, tu me dis alors, je viens, non. La boutique, la Dieuza, c'est pour ma soeur. C'est pour ma soeur. La chose de ma soeur. Est-ce qu'elle veut venir m'accaparer de la chose de ma soeur? Eh, mes gens. Il faut aussi prendre soin du père. C'est la boutique de quoi tous les jours? Je dis que, hey, Rodrigo. Donc, je veux sortir le matin chaque jour. Non, vous exagérez. Je veux sortir chaque jour à 9 h. Je rentre à 20 h 30. Non, vous aussi. Hey, je suis même tombée malade dernièrement, mon frère. Tout ça, c'est le, même les livraisons. Vous voyez, il y a des 3 personnes qui ont passé les commandes. Et demain, presque toute la journée, j'aurai les livraisons. Donc, je n'ai même pas déjà le temps pour moi-même. Ma santé d'abord me demande de me reposer. Vous voyez, je ne fais plus trop de live. Je ne fais plus trop de live. Parce que ma santé me demande de me reposer. Et il y a aussi mes publicités que je dois faire. Ce n'est pas facile. Je dois aller faire les lives dans les boutiques. Ce n'est pas facile. Je ne peux pas me multiplier. Et la famille, je veux me découper en 1000 morceaux. Je ne peux pas. L'argent ne fuit pas. C'est l'homme qui fuit. Achetez mes chaînes, mes cœurs. Achetez mes chaînes. Tata Judith, achetez ma chaîne, mes chaînes. Vous voulez encourager la lionne? Encouragez la lionne. Achetez mes chaînes. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai déjà 3 personnes qui ont confirmé 5 chaînes ce soir et je suis très contente. Voilà. Donc, les gens qui disent que, oh, Facebook, c'est à quoi? Vous les montrez toujours que vous êtes là pour moi, vous êtes toujours là pour me soutenir. Eh, Tata Madra. Ma fourmée des Dinebo dit que tu es très sincère ce soir. Elle dit que, je t'assure. Tu te rases sur TikTok. Oui, même sur TikTok, les gens disent que je vous ai dit que ma santé demande que je me repose. La semaine du trophée, je me suis mise trop de pression. Trop de pression. Donc, après, ça a dû peut-être m'affecter et j'ai eu un petit palu. Voilà. Donc, même quand je partais au deuil du couple, mais ça n'allait pas. Donc, après, ça m'a encore le lendemain quand je devais aller au village pour l'enterrement. Mince! Dans la nuit, en journée. Oh, merde. C'était en journée. Même quand je suis rentrée du deuil, que je suis arrivée avec le foie là. Mince. Je tremblais. J'ai dit que maman, je n'ai pas allé au deuil de quelqu'un. Je tombe là-bas. On dit que oh, le couple me s'en est monté, c'est descendu. Mieux, je reste moi avec ma santé fragile à la maison. Le prix des chaînes, c'est 5 000 francs.
Quand tu prends 5 chaînes, on te donne 6 chaînes. Et on expédie partout en France, partout aux États-Unis, partout, partout, partout. Donc, commander. C'est un peu ça. Voilà. Donc, sur bonne arrivée dans l'émission Actualité de la Toile Maker. Tellement vous êtes gentils, on dialogue jusqu'à oublier le framponnement. Maman, j'ai les ongles, je n'arrive pas à bien fermer mes ongles des hanches. J'ai même déjà enlevé ça. C'était les ongles pour aller prendre le trophée. Et mis ça long jusqu'à. J'ai commencé à tirer, tirer, tirer ça. Ça me fatiguait. Voilà, c'est bon, j'ai mis. C'est homme ou femme? Non, c'est homme. C'est homme. C'est homme. Bon, elle, Rodrigo, si vous avez besoin des chaînes femmes, je pense que je peux. Bon, vous êtes combien d'hommes que vous allez acheter entre nous? Je veux les chaînes pour vendre à Libreville. Envoie-moi les modèles. Je vais commander Airtel Money Pass au Cameroun. Airtel Money Pass au Cameroun. Je connais pas Airtel Money. Je connais Orange Money et MTN Money. Ou alors Ria. Si tu as Ria, oui. D'accord, Judith, tu veux, si c'est pour revendre, je vais te faire les prix. Tu m'écris sur le numéro qui est épinglé là. Tu mets le 00237 si tu es à Libreville sur le numéro qui est épinglé et puis je vais te répondre. Voilà, je ne pense pas qu'au Gabon ça soit cher parce qu'en Europe déjà j'expédie à 6 000, 5 000, 7 000, des trucs comme ça. Donc ici au Gabon, je ne pense pas que ça soit cher. Et comme, si tu prends beaucoup, je te ferai le prix de gros. Voilà, je vais voir avec mon fournisseur et puis on va te faire le prix de gros de quelqu'un qui veut revendre, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Donc, mes cœurs, je disais tantôt que je fais l'émission Actualité de la Toile ce soir pour renchérir un peu sur certains points. Il y a sur la toile des personnes qui viennent gérer le stress. Il y a plusieurs sortes de blogueuses sur la toile. Des personnes qui viennent gérer le stress, des personnes qui viennent gérer leur dépression, des personnes qui viennent gérer leur méchanceté, des personnes qui viennent gérer leur mal-être. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et je vais envoyer ma soeur demain pour 5 chaînes. Madra, tu vas l'envoyer où? C'est moi qui livre. Dis-moi que je peux pas livrer ta soeur. C'est pour moi-même. Dis que va livrer ma soeur ou bien on se retrouve quelque part. On se retrouve quelque part, je lui donne. C'est moi-même qui livre. Ou bien tu me dis, on se retrouve quelque part. Je lui donne les chaînes. Tu vas l'envoyer où bé? En tout cas, écris-moi en eBay. Écris-moi en eBay, je vais mieux t'expliquer. Donc, c'est un peu ça la famille. Il y a des personnes sur la toile qui sont venues gérer le manque d'affection, le manque de Mbinda, le manque de Lana. Vous les voyez, c'est-à-dire que des vieilles mères criaient sur la toile, les vieux pères. Comme le gars de la Belgique là, Bertrand Bunga, criait, vous voyez un papa de 50 ans comme ça. D'accord, Tata Madra. Un père de 50 ans comme ça. Il se balade partout sur Facebook. Hein? À 6 heures, il est en direct. Avant midi, il est en direct. 13 heures, Dieu. Non, vous, non. C'est-à-dire que vous avez fini avec. On dirait qu'il n'y a pas de travail en Belgique. Même nous au Cameroun, c'est-à-dire que même ceux qui font dans l'entrepreneuriat comme les nous, comme ça, que on pas livré. Il y a les jours qu'on n'a pas assez de livraison. Nous, on n'est pas libre comme vous. La dépression. Un père de 50 ans. Bertrand Chicksomon, tu fais comment pour te retrouver perdu sur la toile comme tu es perdu là? Perdu, c'est-à-dire qu'égaré complètement sur la toile. Les pères des gens. Non, franchement, s'il vous plaît, la famille, contrôlez les téléphones de vos parents. Oui.
Contrôlez les téléphones de vos parents. Coucou tata Véronique Max. Contrôlez les téléphones de vos parents. Surtout, interdisez Facebook à vos parents. Ce n'est pas seulement les parents qui vont interdire Facebook à leurs enfants. Même les enfants doivent interdire Facebook à leurs parents. Parce que un vieillard comme ça vient se perdre. On le chasse partout. Il entre ici, il sort là-bas. Il sort ici, il entre. Il est garé et papillé. Voilà alors l'autre. Où c'est Catherine Chou. Elle crie, elle enlève le soutien, elle enlève le caleçon, elle enlève tout. Elle crie, elle tape les mains. Mais franchement, mais avec des enfants, celle de Catherine Chou, elle crie avec les enfants à côté. Elle se déshabille devant les enfants. Elle se montre, non mais je dénonce quelque chose, mais de fort ce soir. Je dénonce. Tu entasses les enfants, Catherine Chou. Tu cries, tu enlèves les habits, tu secoues les seins, tu secoues les fesses. Moi, si ma fille arrive là, j'arrête le live. J'arrête le live. Tout de suite, j'arrête le live. Parce que je ne veux pas que ma fille voie quelque chose qu'elle peut copier demain et c'est mauvais. Elle fiche le camp. Elle paye. Ah, bec. Wap, wap, wap. Les enfants sont là. Les enfants sont là. Et tchik, 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 tchik. Qui me peur? J'aime les problèmes. Les enfants sont là. Ils te regardent. Tout ça pour avoir dit, pour monétiser, pour avoir les vues, la monétisation. Que ça leur donne même combien, elle est Rodrigo. Tu croyais que si ça payait trop, c'est que moi, elle vient encore faire le commerce. Je fais le commerce pour arrondir ma fin du mois. Si, peut-être, comme le mois, si personne ne m'a rien envoyé, même le crédit, rien. J'étais même malade, personne. C'est-à-dire, comme je ne faisais même pas le live pour dire que je suis même malade, rien. Le mois-ci, je pense que c'est le mois-ci. Non, le mois-ci, quand même, on a eu les votes, non? On a eu les votes, donc je peux dire qu'on m'a aidé. Donc, je ne pourrais plus dire que j'attends qu'on m'aide sur quelque chose, non. On m'a aidé. Donc, il y a les mois, ne prenons pas l'exemple sur le mois. Il y a les mois où on ne t'envoie rien. Il y a les mois où on ne t'envoie rien. La monétisation même, ça ne donne pas. Tu vas mourir. Ah, tchouk, 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 tchouk. Ah, tchouk, 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 tchouk. Ah, pou. Tata Judith dit que je la laisse, elle va prendre ça en main. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, Tata Judith? Est-ce que moi j'ai peur d'elle? Moi, j'ai pas peur d'elle. Je n'ai pas peur d'elle. Tu ne peux pas classer les enfants devant toi. Tu secoues tes seins, tu enlèves les habits sur toi. Tu insultes les gens, tu sors des gromologies, des tautologies devant les enfants. Et puis, on ne va pas te dire que c'est mauvais. Parce que j'ai peur d'elle. Moi, j'ai peur d'une... Il n'y a personne sur ma génération que j'ai peur. Je peux te mépriser, tu m'insultes et ne te réponds pas. Ou tu m'insultes et ne te gères pas. Elle-même, quand elle pose sa caméra pour me parler, est-ce qu'elle a peur de parler? Que je vais avoir peur d'elle? Elle est née pour que... Si elle peut gronder plus que moi. Elle n'est pas née. Ce que je lui dis, c'est normal. Tu ne peux pas mettre les enfants au sol. Catherine Chou, tu déposes les enfants, tu secoues tes fesses, tes seins, tu te déshabilles, tu insultes les gens sur Facebook devant tes enfants. C'est quoi? C'est la dépression? C'est quoi ça? On appelle ça quoi? On appelle, c'est quelle éducation que tu veux donner aux enfants? Oh, les problèmes d'hommes, quand on va parler, tu vas aller crier, tu cries, mais je m'en fous, mais de haute foi. Je ne suis pas en train de te clasher, mais je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Tu ne dois pas insulter les gens devant les enfants. Tu ne dois pas te déshabiller pour faire des vidéos devant les enfants comme ça. Débraver sur toutes les tensions. Tu affectes les enfants. Tu affectes les enfants. Tout ça pour faire quoi? Tu vas crier pour que qui va te voir? Tu as quel âge? Tu es un vieil chouette.
Les nous, comme ça, on peut crier, on a encore l'âge de crier, on a le temps d'arrêter. Tu es une vieille chouette, tu vas crier pour faire quoi? Tu veux le trophée? Tu veux quoi? Tu as quel contenu? Tu crées des contenus. Crée les contenus, fais des danses, fais des trucs pratiques. Voilà, boum, Kena. Quand on a atterri, nous deux, elle est toujours là-bas, dans ses sérologies, mon combat. Les cris sur les vies des gens, la vie privée des gens. Qui va la regarder? Qui a son temps? Ceux qui peuvent te regarder, pas te regarder, mais la fille malade, si. Elle parle même quoi? Elle ne comprend, elle ne sait pas qu'elle est malade. Tu vas montrer quoi à qui? Tu vas crier, tu vas dire quoi qu'on n'a pas encore entendu dans Facebook, Catherine Chou. Mais, faut voir encore. Quand je dis la liste des personnes qui sont instables mentalement, il y a Bertrand Chixemon, il y a Catherine Chou, il y a Ndolo Moulema. C'est-à-dire, vos têtes ne donnent pas. Toi, Ndolo, on te dit que tu arrêtes. Tu n'as pas, je n'ai pas envie de mal parler. Je ne veux pas entrer dans ta guerre avec ta patronne. On te demande d'arrêter parce que ta vie est dans les mains de ton ex-patron. Tu sors la bouche, elle a quoi, elle a quoi, elle a quoi. Mais attends, tous les voix qu'elle sort sur toi, là, c'est le jeu. Tout ce qu'elle sort sur ton mari, c'est le jeu. Les gens disent qu'elle a dit, qu'elle a dit que. On dit seulement, n'est-ce pas, elle sort, tout le monde écoute. Ta patronne, compresso, sort les choses sur moi, sur toi. Tout le monde écoute, nous. On te dit de rester tranquille. Tu penses que c'est... Moi-même, à un moment donné, j'étais encouragée. Je t'ai dit, continue, vas-y. Défends-toi. Mais après, quand je vois tout ce qu'elle sort sur toi, je dis non. Si moi, je viens te dire que continue, c'est que je veux que tu entres dans le trou. On ne peut pas t'humilier. Tu as le téléphone qui est chez compresseur. Soit tu récupères sur ce téléphone. Soit tu la boucles. Tu restes tranquille. J'ai vu quelque part où tu es entré. Tu as mal parlé. Tu as mal parlé, genre. Parce que je ne sais pas. Ou même ta propre mère a dit que tu les dépasses eux tous. Mais tu dépasses Kindolo, tu ne dépasses personne. Tu ne sais à rien. Tu montres les immeubles, non? Moi, on voit les immeubles. Moi, je vois les immeubles là. Quand je compte le nombre de parpaings, je considère qu'un parpaing peut faire 50 euros. Les 50 euros là, ça veut dire que, comme Gringa a dit que tu me bindes à 50 euros, ça veut dire que c'est, si c'est peut-être 1000 parpaings, c'est 1000 hommes qui ont binda avec toi. C'est comme ça que je vois tes choses que tu présentes. Ta mère vient narguer les gens que oh, tu les dépasses. Tu dépasses. Moi, voilà qui cherche mon indignement. On n'a jamais entendu que je suis dans la rue en train de me prostituer. Depuis que vous me connaissez. Jamais. Parce que je traite qu'avec des... C'est-à-dire que même quand je fais mes choses, je fais avec des personnes responsables. Je traite avec des personnes... Même les personnes qui me conseillent dans Facebook, ce sont des personnes responsables. Tu es parti te coller en Gringa parce que tu voulais insulter les gens, parce que tu voulais haïr les gens, détester les gens. Maintenant qu'elle te tient, on te dit que laisse. Laisser ne veut pas dire qu'elle t'a gagné, non. Laisser, c'est protéger ta famille. On expose ton mari. Tu es toujours là, comme je vais te traiter. Tout ce que tu parles n'a pas de sens. Tata Clarisse, bonsoir. Tata Clarisse, moi, Joe. Tata Clarisse, si j'ai l'émission, mon deuxième émission Humanité avant tout, jeudi, j'aurai comme invité l'association Eva, le sourire d'Eva. J'aimerais que tu viennes poser les questions à la dame. Bon, je vais t'écrire sur WhatsApp. Bon, en tout cas, si tu pourrais être là... jeudi, je vais dire l'heure. Comme ça, vous allez m'aider à poser les questions à la dame par rapport à son association. Voilà. Donc, dans notre deuxième émission, Humanité avant tout. Donc, j'aimerais bien que tu sois présente, Tata. Je vais t'écrire sur WhatsApp. Donc, compresseur à toute ta vie dans un téléphone. Tu viens nous dire que, oh, elle n'a rien. Mais dès que tu l'insultes, elle sort un voice qui va t'abattre. Dès que tu l'insultes, allez, elle pompe un voice qui veut te finir. C'est bon à nous, hein? Nous, on peut rire de ce que vous faites. Mais moi, je te dis,
Même si ce n'est pas maintenant, ça va affecter ton couple. Fille, Bamongoum, comment tu vas? Ça va affecter ton couple. Dans l'émission Actualité de la Toile, je tape sec. Je tape sec. Je ne suis pas dans le fuma-fuma. Je tape sec dans l'émission Actualité de la Toile. Donc, quand vous me voyez dans la posture de l'émission Actualité de la Toile, arrêtez votre cœur parce que moi, je tape moi sec. Tu veux seulement qu'on te dise que oh, pas, tu es forte. Tu n'es pas forte. Moi, en t'encourageant, je croyais que tu avais quelque chose. Tu n'as rien. Tu dis que tu vivais avec elle par amour. Après, tu dis qu'elle voulait te lécher. Ça veut dire que même toi-même, tu ressentais quelque chose pour elle. Ou bien vous deux, vous yaillez mon. Ou c'est comment? À force de vouloir t'expliquer, tu t'enfonces. Alors qu'on te dit de laisser, ne viens pas nous naguer en disant que et pourquoi certaines personnes disent que je laisse. On dit que je laisse que oh, qu'un gosse, ça peut me dépasser. Mais elle t'a dépassé. Elle t'a dépassé. Genga ne peut pas poser sa caméra pour me parler. Elle n'a rien sur moi. Elle avait déjà tout exposé, ma famille, avec ses femmes. Tu étais là. Tu étais dedans. Tu étais dedans. Quand elle avait tout, quand elle faisait ça de ma famille, j'ai oublié ça. Je ne veux plus te mettre là-dedans. Elle avait déjà tout fait sur ma famille. Tout exposé, insulté, fait tout ce qu'elle a fait. Aujourd'hui, elle ne peut plus rien dire sur moi. Elle a quelle tête? Elle va dire quoi sur moi? Elle ne connaît rien. Et même si elle connaît n'importe quoi sur moi, ça ne dépasse pas ce que j'ai dit sur elle. Je l'atomise, mais de haute forme. Mais toi, tu as donné un... Comment vous prenez un téléphone? Il faut même qu'on sensibilise dans l'émission Actualité de la Toile. C'est quel genre d'amour que toi et ton mari, vous prenez un téléphone qui contient toute votre vie privée. Si ce n'est pas que sur le karma, vous faites comment pour donner votre téléphone à quelqu'un avec toute votre vie privée, sans supprimer, sans formater. Oui, Mohamed, ça va là. Son homme aujourd'hui fait comme si ça ne l'affecte pas. Comme si genre, mais je vous dis que ça va l'affecter. Ça va l'affecter. Plus tard, Dolo viendra nous dire ici que c'est gâté. Ça a cuit. Jusqu'à tard. Edith Blanche, ça cuit jusqu'à tac. Moi, je ne peux pas attendre jusque-là. Tu n'as rien sur ta patronne. Alors, n'allonge pas ta bouche. Celle de Catherine Chou t'encourage. Catherine Chou, même sa tête ne tient pas. La tête, quand toi-même tu vois, toi tu peux te rallier, toi-même ta tête ne tient pas de l'eau. Tu peux te rallier à Catherine Chou pour faire tes combats avec Ngrenga. Catherine Chou insulte Ngrenga, pourquoi? Elle a quelle raison? Moi, elle peut donner mes raisons qu'elle a donné l'ordre à exposer ma famille et tout ça. Elle allait rire quand on exposait ma famille. Elle m'a fait beaucoup de mal. Catherine Chou insulte Ngrenga, pourquoi? Pour rien. Parce qu'elle veut la stamania, elle est vue. Elle crie sur celui-ci. Demain, elle crie. Même Catherine Chouma y a clashé. Elle m'a déjà clashé. Elle m'a déjà parlé sérieusement jusqu'à elle était sérieuse, furieuse. Hein? Moi, je ne m'intéresse pas aux personnes qui ont un décalage d'oreille dans leur tête. Tu pars t'associer avec elle. Pour dire que tu veux parler d'Ngrenga. Reste sur ta page, tu nous sors les preuves dans ton téléphone, comme elle est en train de faire. Et puis on quitte ça. Mes amours, vous avez seulement 50 partages. 50 partages seulement, vous êtes 163 personnes. Si vous faites 2 partages, ça fait 300 partages, s'il vous plaît. Ça fait 300 partages, essayez de faire 300 partages. 2 partages seulement dans le groupe. Ça fait plus de 300 partages. Essayez de partager. Ou la page... Peut-être la page est restreinte, je ne sais pas trop. Tu ne peux pas te dire que oh, tu veux te rallier à Catherine Chou pour insulter Ngrenga. Oh, mon deux places. Après, on va encore vous entendre. Wow, c'est monté. Wow, c'est descendu. Wow, ça...
vas t'allier. Tu t'allies à une autre femme qui ne respecte même pas ses enfants. Elle crie devant les enfants. Elle crie devant les enfants. Nu. Tu pars t'allier à elle. Tu pars t'allier à elle. Carrément. Tu classes, tu alignes. Elle aligne ses enfants. Le coup, elle prend. Le coup, cuisse ici. Les enfants sont là. On lui regarde. Tu ne te poses pas la question que la femme s'y sort d'où, à son âge-là, elle ne peut pas se respecter. C'est quoi avec le coup? Aux personnes qui ne lui ont rien fait. Même si tu défendais quelqu'un, ce n'est pas la qualité, la maman. J'ai dit que j'ai eu une vidéo où elle enlevait les habits sur elle. Les enfants venaient. Maman! Les enfants tournaient. Maman! Autour d'elle. Le corps dehors. Elle était là. Ah, coucou! Imagine-toi ton mari te regarder allié à une fille qui vient gérer sa dépression sur Facebook. Comme Catherine Chou. Vous êtes nombreuses. Même la fille de Monica Jazz, elle n'est pas normale. Elle n'est pas normale. Je connais votre catégorie. La liste est longue. Si elle commence à citer, il y aura le feu dans Facebook. Puisque je ne veux pas le feu maintenant, c'est après que je vais tous vous ramasser. Des gens qui sont instables mentalement. Vous faites des choses bizarres. Vous êtes dans des trucs bizarres, les clashs qui n'ont pas de sens. Ça part dans tous les sens. Boum ici, boum là-bas, boum ici, boum là-bas. Vous criez des clans inutiles. Oui. Quand je dis que la fille de Monica Jazz, toi, tu dis pourquoi? Une fille qui a envoyé quelqu'un m'écrit qu'elle est en prison. Hein? Qu'elle est en prison pour que je vienne faire le live sur elle. Ça lui donne les vues. Vous trouvez qu'elle est normale? Non, dites-moi la vérité. Vous trouvez qu'elle est normale? Elle est bipolaire dans toutes ses sources. La fille a soutenu Ngrenga. Elle n'a pas eu la stamania avec Ngrenga. Je suis sûre qu'elle causait même avec Ngrenga. Elle a sauté derrière les lolomania. Pap! Elle est arrivée là-bas, on lui a un peu donné l'occasion. Maintenant, elle sautille. Elle sautille comme la tisse. Jusque-là, sa tête, le boulon là, ça ne reste pas tranquille. C'est toujours quelque part, ça est toujours en train de se dévisser. Les lolomaniens essaient de visser avec le couple, mais ça se dévisse toujours à chaque moment. Elle est partout, elle est dans l'air. Elle n'a pas de sens en fait. Elle n'a pas de sens. Elle n'est pas, c'est-à-dire que quand on dit même que, non, franchement, vous pensez que je mâche les mots quand je parle? Leur tête ne tient pas. Regardez-les, les personnes que je cite là. Où c'est Mbengo? Où c'est la solitude? La solitude? Où c'est le stress? Où c'est le manque de Mbina? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Des frustrations à outrance. Frustration sur frustration. Tu vas voir demain, c'est de Monica là. Je soutiens Ndolo après 2 minutes. Je soutiens Tata Nancy, 2 minutes. Je soutiens, c'est-à-dire qu'elle est instable mentalement. Et vous ne pouvez pas constater. Et vous ne pouvez pas constater. Parce que vous aimez le Congo ça. Ben va rendre ces filles folles. Essayez d'être posé. Respectez vos enfants. Surtout celle-là, Catherine Chouma, elle m'adresse à toi. Arrête de clasher devant tes enfants.
Arrête de clasher devant tes enfants. Même si tu as n'importe quelle dépression, tu n'as pas le droit de classer tes enfants devant toi. Tu te déshabilles, tu insultes les gens devant tes enfants. Tu n'as pas ce droit-là. Et tu penses que nous, on va regarder. Moi, la lionne, je vais regarder. Je vais rien dire parce que j'ai peur. Il n'y a pas, je dis, il n'y a personne de votre génération, de notre génération, qui peut me faire peur. Je ne vous vois pas. Je ne vois personne. Carrément, je respecte ma génération. Je les respecte. Je respecte Priscaline, qui est ma sœur. Je respecte toute ma génération. Mais celle-là qui va me faire peur, je ne vois pas. Parce qu'il y en a qui m'ont dit que oh, demain, elle va dire quoi? Elle va bavarder quoi? Elle m'a clashé fatiguée, elle m'a bavardé fatiguée. Ça a changé quoi? Est-ce que j'ai son temps? Je ne lui ai pas répondu, mais je sors, je réponds quand je veux. Et je réponds quand elle ne s'attend pas. Le jour qu'elle sortait sur moi, elle tapait la poitrine. Elle était trop forte, non? Elle ne savait pas quand je vais sortir lui parler. Mais j'ai dit aujourd'hui que ta tête ne tient pas. Range ton cerveau. Tu es mère d'enfant. Regarde tes enfants. Il faut avoir pitié de tes propres enfants. Tu ne peux pas te déshabiller. Devant les gens, tu insultes les gens devant tes enfants. Et tu penses que moi, la lionne, je ne vais pas venir dénoncer. Tu avais oublié. Tu as carrément oublié que tu avais fait ça. Je suis imprévisible. Je sors quand tu ne t'attends pas. Tu lances souvent la caméra pour nous reprocher, non? Tu prononces mon nom comme si je suis ta camarade. Voilà, je te dis aujourd'hui. Arrête de faire des conneries. Tu délires. Carrément, tu as quelque chose qui ne va pas. Et tu fais comme ça. Dolo aussi que ça a pas de... Il y a un petit boulon qui avait sauté dans sa tête quand elle était dans le noir. Elle prend encore aggravé sa part de boulon là, chez toi. Et quand vous vous réunissez, vous-même, regardez vos lives. Quand vous faites les lives, les filles, vous deux là, regardez-vous après. Ce n'est pas un clash. Je suis dans le japap, je renchéris. Je renchéris juste mes abonnés dans l'émission Actualité de la Toile. Regardez vos lives après. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Des vieilles peaux. Vous ne pouvez pas vous respecter. Je vais la traiter. Les problèmes dorment chez moi. Vous pouvez faire quoi à qui? Attendez, est-ce que vous avez le potentiel de clasher? Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle le clash? Vous pensez que le clash est venu crier? Mais non. Il y a le clash que tu parles à quelqu'un, il sent dans ses veines que tu ne lui as même pas insulté. Comme le déréglé mental, votre collègue déréglé mental qui est en Belgique, le fou qui insulte maman Anne et consort, qui nous lave là. Celui-là, c'est un malade mental. Il est fou. C'est la folie, c'est la dépression. Moi, si il rencontre son enfant, je vais dire à son enfant, arrache le téléphone de ton père. Prends le téléphone à toi. Contrôlez vos parents vivants. Il y a les parents que l'Alzheimer commence tôt. Même les réactions de Catherine Chou, ça fait tout comme si son Alzheimer avait déjà commencé. Si vous avez des problèmes, je ne sais pas si là-bas en Bengo, on vous injecte, je ne sais pas ce qu'on vous injecte, vous devenez folle même, je ne sais pas. Et vous êtes bien dans vos bêtises. C'est-à-dire que c'est bon à vous. Heureusement qu'il y a encore les Benguis qui se respectent, qui font des bons lives posés. Comme Priscaline fait maintenant les lèvres, elle est mais très posée, douce. Je crie même plus que Priscaline. Ici en Afrique, nous sommes habitués à crier. Je peux parler au téléphone, tous les voisins comprennent. Mais toi qui es en Europe, tu as les enfants, tu peux même t'épanouir avec tes enfants. Je ne comprends pas comment tu peux laisser tes enfants. Tu viens crier sur la toile jusqu'à enlever les habits. C'est quelle monétisation que tu poursuis? Arrêtez de délirer devant les gens. Vous allez voir d'autres, elles sont instables. Aujourd'hui, elles sont ici, demain, elles sont là-bas. Demain, pim, 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 partout. Parce qu'elles cherchent là où elle va lancer le live. On va courir.
Moi, vous me voyez, est-ce que moi je clash? Non. Mais j'ai fait pratiquement 20 minutes de commentaires à 30 minutes. J'avais déjà presque plus de 120 personnes. J'étais en train de parler de mes chaînes. Je n'ai plus besoin de ça. Je n'ai pas besoin. À l'époque même, j'avais besoin de ça parce qu'il le fallait. Mais vous qui criez là, c'est pourquoi? Il n'y a plus de guerre dans Facebook. Crie aussi. Mal au ventilateur aussi. Et aussi la Black Beauty, qui est très posée. Très posée. Même quand elle fait ses clashs, ma grande soeur, la Black Beauty, elle est très posée. Ça, d'abord, quand elle hausse le ton, même ça ne sort pas. Sa voix est toujours très douce. C'est stable. Sa voix. Elle fait de l'alcha, le goût d'écouter. Les décryptages, elle me décrypte même souvent. Elle parle même, elle me gronde. Mais je comprends que c'est le décryptage. C'est sans haine. Mais vous, Dolo Mounema, Catherine Chou, Bertrand Chixemont, voilà toi. C'est-à-dire que je suis choquée, je suis dépassée. Ou on va seulement attacher vos pieds, ou on va arracher vos téléphones, ou je ne sais pas ce qu'on doit faire de vous. Même celle de Monica Charles. Elle est debout comme ça, vous croyez qu'elle est normale? Elle n'est pas normale. Mais je le dis, je vous. Est-ce que c'est aujourd'hui que je vous parle d'elle? Je ne vous parle pas. Je connais ses délits. Coucou Mazibi d'amour. Mazibi fort. Bisous Mazibi d'amour. Elle délit. Quelqu'un lance le live. Hein? J'aime les problèmes. Les problèmes dorment sur moi. Je vais m'avoir. Les enfants sont là. Maman, je peux crier dans la maison si comme je veux. Je peux crier. Oui. Je peux crier, maman. Il n'y a pas des enfants qui vont me dire que tu fais quoi là-bas? Il n'y a pas des enfants qui m'ont dit tu fais quoi là-bas. Il n'y a pas. Mais dès lors, tu as les enfants à la maison. Tu cries. Même celle de Monica Jazz. La bipolaire fille là. La TKU là. Vous savez qu'elle vous dit toujours la vérité. La lionne vous dit toujours la vérité. Mais plus tard, vous allez venir me dire yeah, la lionne, tu avais raison. La fille bipolaire de Monica, j'insiste sur elle. Parce qu'elle fait souvent jusqu'à vous croyez qu'elle est non. Maman le 27, je veux. Hey, maman! Jusqu'à vous croyez qu'elle est normale. Quand vous regardez ses faits et gestes, est-ce qu'elle, c'est quelqu'un de normal? Regardez tout ce que je parle. C'est quelqu'un de normal. Ce sont des filles normaux. Ou c'est normal, ou c'est normal. Vous allez voir, elles vont sortir là. Hé, hey, la Lionel, chica, tu te prends pour qui? Vous allez crier, c'est votre problème, je m'en fous, mais de haute. De haute. Dans l'émission actualité de la toile, je renchéris et je tape sec. Mais de haute. Bonsoir, Olivier. Tata Pispice. Vous trouvez qu'elles sont. Toutes que ces filles sont normes. Elles sont normales. Ou on dit normaux, c'est normal. En plein ben, vous êtes en ben. Il y a les logements sociaux qu'on vous donne. Et il y a les enfants que vous avez. Monica Jazz a au moins 4 enfants. Elle va laisser ses enfants. Elle va venir s'asseoir sur le canapé. Crier. Oh, je vais vous dire là-haut. Envoyez-moi. Les enfants sont là. Quand les enfants vont venir, tu vas voir, elle va regarder l'enfant avec les mauvais yeux, chasser l'enfant. L'enfant, les enfants sont à côté. Ah bon, Olivier, tête, c'est comment? Ah bon, Dieu, bon, vous criez partout. Si les... Mais si je crie, même mon chéri va me dire, mais chéri, c'est quoi ça? Tu as besoin de crier comme ça? C'est quoi? Mais mes gens vont me dire, mais c'est quoi ça? Même Zibila va me dire que c'est... Mais la lionne, aujourd'hui, tu as fait fort, hein? Mais tu as fait fort, il faut se voir un peu... Mais attendez.
Et quand vous finissez, je suis sûr que vous êtes incapable de regarder vos lives même pour 10 minutes. Faut voir comment Ndolo va aussi, quand elle va crier, Ndolo aussi que son boulon a jeté l'air, mais pas pour la tête de Ndolo, ça n'a pas complètement jeté l'air, parce que sa mère maintient encore le boulon là. Sa mère est encore en train de tenir le boulon qui veut sauter sur sa tête là. Elle va aussi entrer là-bas. Kate Chou, toi et moi pour la vie. Demain, on va les entendre ici. Demain, on va les voir en train de se laver, mais de haute forme. De haute forme. Oui, la blague, c'est une femme respectueuse, respectable. Très posée. Je dis que même quand elle fait ses décryptages, même quand elle est sur moi en train de faire des décryptages, ça a le goût. C'est de Monica Jazz. Elle est d'abord là comme si elle vit au Cameroun, elle n'a même pas mangé depuis le matin. Je dis que je vous appelle ici. Les enfants sont là. À quoi je veux me dire quand tu ne veux pas te. Si tu lui demandes que tu as quel problème, ça là c'est tu soutiens qui? Elle ne saura même pas ce qu'elle. C'est-à-dire qu'elle ne saura même pas quoi tu te dis. Mais elle va seulement s'attaquer comme ça. Ça part ici, elle part là-bas. Ça court ici, elle court là-bas. On doit vous dire la vérité. Depuis que je suis un peu souffrante là, je vous regarde vous agiter. Ici, partout, tu en devais. C'est quoi ça? Et ce n'est pas que vous avez mon âge. Hein? Vous êtes des vieilles chouettes avec des enfants. Vous alignez les tchotchorotes et vous avez accouché là comme si non. Ou c'est la dépression d'avoir beaucoup d'enfants? Ou c'est la dépression de Mbengo? Ou c'est quoi? Ma Foflo, coucou. Ou c'est quoi? J'ai envie de comprendre ce phénomène. Je peux pas être, je suis à l'aise en Mbengo avec mon mari, mon chéri. J'ai mes enfants que je vais regarder. Je viens propager la haine comme ça. Je viens m'agiter comme ça. Je viens faire un truc pareil. Vous n'êtes même pas posé. Boum, qu'elle est aussi là-bas. Oh, vraiment de Dieu. Je dis que, regardez comment Priscaline fait ses lives maintenant. Regardez la posture de Priscaline. Regardez sa posture maintenant. À l'époque, quand elle venait du Cameroun, elle s'agitait comme moi. On s'agitait. Mais après, on a appris, on a grandi, on a mûri. Nous, on n'a pas votre âge. Parce que vous allez dire que, wow, nous, on a aussi comment. Nous, on n'a pas votre âge. Merci, Tata Olivier. Vous êtes des vieilles peaux. Monica n'est pas ma camarade. Elle est dans les 45 ans. Elle dépasse même les Tata Lolo et Consola. Elle est sec d'abord comme le goyavier. Je ne clash pas et vous dis la vérité. Elle est sec. Elle n'a pas de direction. C'est-à-dire, elle était chez Ngrenga. Elle a atterri chez Tata Lolo. Après, elle a atterri chez Père Messan. Ça, Père Messan, comme le Père Messan n'est pas chiche pour donner aussi la Starmania, poup, il a soulevé. Et papier, elle est maintenant chez Nancy, comme le Père Messan ne fait plus trop les directs. Mon papou, prête à te trahir au moindre détail. Mon papou, écoute, elle est chez Nancy. Après, chez Nancy, tu vas voir quand peut-être le buzz un peu donné chez je ne sais qui. Poup, elle va sauter là-bas. Des instables. Mental, ou c'est manteau. C'est mental. La dépression. Vous êtes avec les enfants, vous ne pouvez pas vous concentrer à éduquer vos enfants. Elle était chez Ngrenga. Je vous ai dit... Quand je vous donne les informations sur quelqu'un, ne doutez pas, parce que j'ai les preuves. Je vous avais dit que Michel, la qui a les yeux en facette là, elle n'aime pas Boumkena. Elle n'était pas de la TKC. Elle était sympathisante des Lolomania. Je vous avais dit ça ici. Mais, vous avez dit que, wow, vous avez vu ce qui s'est passé, non? Est-ce qu'elle a pu supporter? Voilà une autre instable mentale. L'Angala, Michel, truc là.
C'est une autre instable mentale. C'est-à-dire que quand elles sont dans leur bêtise, elles sont sûres qu'elles sont dans une bonne posture. Elles sont sûres d'elles. Dans zéro. Les vrais gens qui ont eu le temps de les étudier, connaître qui elles sont. Nous, on les regarde seulement à distance, on rit. On rit. On se dit que... Et il y en a qui vont tomber, ils vont aller dans leur lèvre, les prendre au sérieux. Vous allez les prendre au sérieux parce qu'ils sont, elles sont tellement convaincantes. J'ai dit que Monica Jai a cherché la Starmania dans mon IB fatigué. Jusqu'à envoyer quelqu'un me dire qu'elle est en prison. J'ai dit, hey, elle appelle le couple me semble. Leur papou. Au lieu qu'elle appelle là-bas, c'est plutôt chez moi qu'elle appelle pour dire. Donc elle voulait que je sois impulsif. Je viens et dis que je lance les laves. Les lives. Il dit que, wow, est-ce que vous savez que Monica a été arrêtée? Elle a fait le schéma pour que je parle d'elle fatiguée, mais elle parle de toi aujourd'hui. Les schémas! J'ai demandé qu'on s'en a dit que non, ne parle pas d'elle. C'est la Starmania avec que tu parles d'elle. Je te parle aujourd'hui. Tu es instable. Est-ce que j'ai peur de te dire ça? Moi, vous savez que moi, je suis une place dans mes talons. Ah. Une place! Mais comportez-vous. Les vieilles femmes qui ont aligné les petits tchotchoros enfants, elles sont sur Facebook, les habits fous. Elles enlèvent. Bipolarité à outrance. Zara, être sympa ne veut pas dire que sa tête ne tient pas. Il y a les fous qui sont sympas. Hein? Il y a même les tueurs qui sont sympas. Tu comprends, Zara Mohamed? Hein? Moi, je te dis que je connais cette fille. Vous m'avez déjà vu venir vous parler de quelque chose que je ne connais pas. Je vous parle ce que je connais. Et quand vous discutez, quel qu'en soit le temps que ça va prendre, vous allez venir dire que la lionne, tu as raison. Elle est instable mentale. Je vous dis. Bertrand, c'est quelqu'un. Je vous avais dit ici que non, non, je ne veux pas. Vous avez dit que non, c'est quelqu'un de bien, hein, la lionne. Coucou, la marque rose, ma belle chou. Non, la lionne, c'est quelqu'un de bien. Pourquoi tu fais ça? Non, la lionne, tu dois être sympa avec lui. C'est quelqu'un de bien. Il a juste besoin d'attention. Vous m'avez forcé ici, fatigué, toujours vous. Je vous ai dit que je ne vois pas le gars ici comme quelqu'un que ça te tient. Vous avez dit que non, ne dis pas ça. Wow, c'est monté. Aujourd'hui, observez-le. Bipolaire, c'est-à-dire que la bipolarité à la vitesse supérieure. Voilà une autre, Chamafok, Chamaleu. Sa tête, ça ne va pas. Il y a Chamaleu, il y a Afamafam. Ce sont des personnes touchées moralement. Soit ils ont eu quelque chose qui les a traumatisés dans leur vie. Soit ils n'ont pas tout le sens. Tata Zara, laisse-moi, pardon. Tata, laisse-moi, pardon. Laisse-moi comme ça. Voilà même la marque rose. Voilà ma BS, même elle a honte. Nous tous, on a eu honte ici, là. C'est lui qui avait couru, et qu'elle va être président. On était encore en train de choisir. On a dit, ok, on te donne. Après, il sort, il part ouvrir ses... J'ai pas envie d'insulter. Quand tu vois Bertrand, tu sens que c'est quelqu'un qui ne prend même pas la peine de prendre sa douche. Je ne clash pas. Il ne prend pas la peine de prendre soin de lui, de se mirer, de se peigner les barbes, prendre soin de frotter ses aisselles, de frotter ses mimbans, frotter son corps. Il est toujours en train de verser l'eau sur sa tête, sortir, se suer pour prendre le téléphone parce qu'il veut mettre comme ça et parler. À aucun moment, il est concentré sur sa propre vie. Un monsieur de près de 60 ans, il est sur les réseaux sociaux, il s'insulte avec les femmes. Près de 60 ans, vous pensez qu'il va changer à quel âge? Je suis sûre que, vous connaissez que quand on se... Eh, Seigneur, j'espère que mon chéri n'est pas ici. Vous connaissez que les hommes, quand tu laisses les poils, quand tu ne laves pas bien les poils du truc là, ou des aisselles. Les petits trucs blancs la sortent.
Bertrand, si c'est que tu n'as pas les petits trucs là sur ton oui, montre, on voit. Parce que je suis sûr qu'il y a le truc là sur ça. Il ne lave pas bien son truc là. Il ne prend même pas 2 minutes pour laver ça. Tata Vénus, Tata Vénus, encouragez-moi à acheter mes chaînes, non, c'est 5 000. Il ne prend pas la peine, il prend même plus soin de Dester. Le kilo de viande qu'on doit briser là, il prend soin de Dester plus que lui-même. Et il est là, il fait le direct, il gratte les barbes, coucou, 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 il gratte, hein, coucou, coucou, coucou. Il se lève le matin, il ne se brosse pas, il prend la tasse de thé. Il finit la tasse de thé, le temps est à passer, il faut qu'il aille au boulot, il ne se lave pas. À midi, pareil. Il ne se lave pas. Le soir, il rentre dans le téléphone, à bou, 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 jusqu'à arriver à la maison, pareil. Zéro concentration. Il arrive à la maison. L'intervalle de 30 minutes. La future vient de ma fille, Lolo Laurel. L'intervalle de 30 minutes. Il s'est déjà lavé. Il a déjà mangé. À quel moment il se concentre pour frotter les mimbans? Pour enlever les blancs trucs qui sont sur ses poils. À quel moment? Parce qu'elle veut parler, vous avez dit que ya, tu as vu. Et examinez un peu le temps qu'il rentre. Parce que quand il rentre en live, quand il éteint, il vous dit que je vous reviens. Examinez un peu l'espace de temps qu'il dit qu'il vous revient. Si un homme peut se laver dans l'espace de ce temps-là, jusqu'à manger, jusqu'à se reposer. Il finit comme ça, dès qu'il fiep mieux. Parce que chez nous, on dit en patois que fiep mieux le corps. Il finit de fiep mieux son corps. Fiep mieux le corps veut dire qu'il ne se lave pas bien. Merci Tata Zara. Rosette. Kadi dit quoi? C'est Dame Dester. Hein? Il finit de fiepner le corps. Il vient, il dit que wow, je vais encore faire le direct. Il lance. Il lance le direct. Et pou. Il bavade au moins 3 heures de temps. 4 heures. Il n'a même pas 100 personnes. Sauf s'il insulte. Il n'a même pas 20 personnes. Après, il dit que j'ai à dire. Si tu dis que tu dors à 4 heures, pose pipi, tu vas le trouver en direct. Pose pipi, il sera en direct. C'est-à-dire, même quand il finit le direct, il ne prend pas la peine d'aller encore laver ses mimans. Il part directement dormir. Il finit de mbina d'Esther. Il dort. Il se réveille à 4 heures pour aller pisser. Il lance le live. Oui, je fais des envois vers l'Europe, mes gens. J'expédie à 5 000. La chaîne, c'est 5 000 francs. J'expédie partout dans le monde. Partout, et c'est moins cher. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai trouvé un réseau moins cher pour expédier les colis. Donc, si vous voulez commander vos colis, commandez seulement. J'ai expédié 6 chaînes la dernière fois où c'était à 7 000, où c'était à 6 000, combien l'eau. Donc, j'expédie partout. C'est-à-dire qu'il est instable. 4 heures, pap! Bonjour, mes saumons. Mes saumons. Bonjour. Bonjour, mes saumons. Bonjour, mes saumons. Petit lave. Un peu. Tap! Il est à 5 heures. Tu veux la chaîne, la déesse? 5 000 la chaîne. Si tu prends 5, on t'offre une chaîne. Expédition. Ou c'est 6 800. Demain, je vais vous confirmer. Ou c'est 6 800 ou c'est 7 000. Moi, j'avais demandé le prix là, mais j'ai oublié. J'étais rentrée avec le reçu que j'avais expédié en France. Il pleuvait. Il a plu sur moi et j'ai dû perdre ça. Donc, mais je sais que ça ne dépassait pas 7 000. Donc, si tu prends 5 chaînes, on t'offre une chaîne gratuite. 6 chaînes à 25 000. Il y a déjà 3 personnes qui ont commandé 5 chaînes ce soir et je vous remercie. J'attends juste que vous me confirmiez votre commande. Merci d'encourager votre lionne en achetant mes chaînes. Voilà. Apprenez-moi à pêcher. Voilà. Ne me donnez pas. Donnez-moi si vous pouvez, mais vous pouvez aussi m'apprendre à pêcher.
Donc, mon numéro est épinglé sur la page. Vous m'envoyez le message par WhatsApp pour la réservation. Parce que demain, je vais aller expédier pour la dame qui a pris pour la Belgique. Si je parviens à récolter aussi les trois personnes qui ont confirmé 5 chaînes ce soir, j'aurai beaucoup d'expéditions demain. Donc, les commandes de demain, je vais les expédier après-demain. Sauf si vous envoyez votre argent le matin. Si vous envoyez votre argent le matin, je pourrais faire les paquets et sortir une fois. Mais si vous tournez, vous arrivez vers midi, 13 h, je serai déjà dehors. Donc, je pourrais plus rentrer, sauf si peut-être je finis tôt. Voilà. Je suis aux USA. Oui, on expédie partout, même aux États-Unis. Partout. Partout. Voilà mon numéro Orange Money et mon numéro WhatsApp que j'ai épinglé. Le numéro qui est épinglé ici. Vous voyez un numéro épinglé, non? C'est le numéro là. Si vous voulez passer la commande, c'est là-bas. Si vous voulez faire le dépôt, c'est toujours sur le même numéro Orange Money. Ou alors, si tu veux envoyer par RIA, tu le fais, mais retirer les petits montants comme ça, c'est pas souvent très catholique. Ou alors, tu utilises l'application TapTapSend. Tu télécharges l'application TapTapSend. Tu utilises mon code promo Lyon237 pour m'envoyer ton argent. Certains pays n'ont pas Orange. Utilise le moyen que tu peux. Si c'est RIA, tu m'envoies par RIA, je pars retirer. Je t'envoie mon nom sur WhatsApp. Tu m'envoies par RIA. Comme ça, quand je serai en vie, je vais retirer. Si tu as MTN, voilà. Si tu as MTN, voilà MTN. 24, 13, 86. Voilà MTN. Si tu as plutôt MTN Money, voilà MTN. Session ont les différents designs. Oui, ça, les différents designs DS. J'ai même posté la vidéo en bas. Si tu descends plus bas dans la vidéo, sur la page, tu vas trouver les différents designs que j'ai postés. Ou alors, tu me fais signe sur WhatsApp, je t'envoie ça directement. Ou sur Messenger, je ne sais pas trop comment tu veux me contacter. Donc, c'est quelqu'un qui c'est-à-dire que quand il se lève le matin, au lieu de penser à peut-être prendre soin de sa famille, appeler sa famille, ou bien chercher une femme qui va dormir avec elle et tout, non, il ne pense qu'à Facebook. Et il ne gagne pas beaucoup, hein. Parce que quand je le regarde là, il ne gagne pas beaucoup. Hein? Téléphone est à charger. Aujourd'hui, c'est Tata Lolo qui va laver. Aujourd'hui, c'est Mafo qui va laver. Aujourd'hui, c'est compresseur. Après, on va dire que wow, Toby fait. Lui, là, il dépasse Toby de très loin. La bipolarité à outrance. D'accord, la déesse d'amour. Non plus, c'est mieux Ria. Oui, ok, Ria, alors je vais t'envoyer mon nom. Je ne peux pas t'envoyer mon nom en direct. Tout mon nom, bon. C'est vrai que je ne cache pas mon nom. Mais je préfère t'envoyer en eBay, tu vois, Zara. Donc, tu m'écris sur Messenger ici ou bien tu m'écris sur le numéro épinglé. Là, je vais, attendez, je vais supprimer mon numéro MTN ici. Parce que c'est mon numéro personnel. Je convie que, voilà. Voilà quoi. Ou alors, tu m'écris sur le numéro WhatsApp. D'accord, WhatsApp, si. WhatsApp, si. Voilà, tu écris sur le WhatsApp, si. Et puis, je vais te répondre. Je vais t'envoyer mon identité là-bas. Tu vas envoyer par IA. Donc, c'est alors comme ça que sa vie est instable. Sa vie est instable. Oui, il va se lever à 6 h. Oh, toi, viens ici. Oh, ta mère est descendue, ton père est descendu. Dans rien. Mbunga n'a aucun. C'est-à-dire que quand vous voyez les vieux pères au Cameroun, ils peuvent mourir d'AVC. Ma peau, ma faute d'amour, ma chouchou. Chouchou d'amour, chouchou. Ma tata, mi beauté. Fort, ma grande sœur. Fort, ma grande sœur. Sûr. Michel Dora la Lionne, pour moi aussi, ça sera Ria. D'accord, il n'y a pas de problème. Envoyez alors à Ria comme ça. Envoyez demain matin ou tout à l'heure. Comme ça, demain, quand je vais faire les courses des autres, je passe par RIA une fois. Il n'y a pas de souci. Dora, Michel Dora, écris-moi alors sur WhatsApp. Comme ça, je t'envoie le nom. Comme ça, tu expédies par RIA. Tu envoies par RIA.
Tu as aussi les boucles d'oreilles? Oui, j'ai les boucles d'oreilles, mais je suis encore en train de tester les variétés. Je porte, je sois avec pour voir un peu comment ça. En fait, pour voir la matière. Mais pour le moment, je n'ai que les chaînes parce que j'ai déjà confirmé la matière des chaînes. Il y aura beaucoup de bijoux, ne vous inquiétez pas. Beaucoup de bijoux pour faire votre nyanga. Pour le moment, je prends les chaînes parce que j'ai testé. J'ai testé et j'ai approuvé. Donc, c'est un peu ça. Ma poa, ma chouchou, diamant de Dieu. Ma, je t'appelle après. D'accord, Michel. Non, après, non. Je suis en direct. Tu peux pas m'appeler maintenant, ma grande. Merci. Merci encore d'avoir confirmé ta commande. Ton manager est fort, chouchou. Ouais, Seigneur. Voilà. Donc, vous voyez toutes ces femmes-là. Si on ne vient pas à un moment donné leur dire que tous ces gens-là, Mbunga même c'est une femme. Je ne sais pas, c'est une femme. C'est une femme celle-là. Est-ce que Mbunga c'est un homme? C'est une femme. C'est pas. C'est une femme. Mbunga c'est un homme. C'est pas un homme. Donc à 6 heures, quand les pères se lèvent pour gérer leurs enfants, pour gérer leurs femmes, Bunga se lève pour clasher. Il se lève pour clasher. Bonjour les saumons. Je t'envoie un message après le live. D'accord, la déesse, d'accord. Hé, maman, si les commandes que j'ai vues en live ci sont confirmées, c'est qu'on aura au moins 5 personnes qui vont prendre 5 chaînes. Et ça fait beaucoup. J'ai dit que s'il y a seulement 10 personnes qui commandent 5 chaînes par mois, je suis. C'est-à-dire que je pourrais créer ma petite caisse derrière moi, comme ça, je vous présente. Dès l'année prochaine. Je vous attends, la famille. Encouragez votre lionne. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Et c'est pas tout. On verra ce qu'on va vendre d'ici même l'année prochaine. On va faire, je vais chercher des trucs qui vont vous plaire parce que vous n'avez pas toujours l'occasion de faire le nyanga, de chercher les trucs pour faire le nyanga. Je vais chercher les trucs qui vont vous plaire, qui vont plaire aux femmes, les belles, les beaux petits trucs comme ça, les chichis, les trucs de nyanga de femmes, quoi. Je vais vous proposer. Parce que vous me donnez le goût, vous me donnez le courage de le faire, de me lancer. Je me suis même déjà lancée dans l'entrepreneuriat, donc vous me donnez la force et vous m'encouragez. Donc, du coup, je ne peux que chercher ce qui va vous plaire. Bunga, la femme de Dester. J'ai dit que, ma chouchou. Les maquillages. Non, là-bas en Beng, vous avez les maquillages, non, Zara. Vous avez les maquillages. Est-ce que je peux vous vendre les trucs de maquillage? Je ne peux pas. Je prends uniquement les bijoux parce que ça embellit. Les femmes aiment bien. Tout le temps, quand j'arrête mes directs, les femmes disent, ta boucle là, ça a coûté combien? Tu peux me vendre. Ton truc là, tu vends à combien? Ta chaîne là, c'est combien? Ta bague là, c'est combien? Donc, du coup, je me suis décidée à vendre des trucs comme ça. Le maquillage pour peau noire. Je ne sais pas. Moi, je ne m'y connais pas en maquillage. Mais si c'est pour le teint, ma chouchou, si vous avez besoin, Cameroun, Afrique, Japab, dit quoi? Tes lolos ont l'air d'être mou appuyés. Va là-bas, salaud. Avec ta tête, ça va? C'est comment? Le Rastaman! Donc, du coup, voilà. Les colliers aussi. On en a, mais c'est pour. D'accord, je vais. D'accord. Il faudra que je choisisse la bonne qualité. C'est ça que je suis en train de vous dire. Je dois sélectionner les bons trucs pour vous vendre. Je ne dois pas vous vendre n'importe quoi, en fait. Parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Quand vous voulez soutenir la lionne, c'est de fort. Il ne faut pas qu'elle vous déçoive. Mais déjà, mes chaînes sont confirmées. C'est la bonne qualité. Je vais chercher même les bagues, mais le bon qui dure comme ce que j'ai depuis longtemps chez moi. Je vais chercher la même matière. Je vais demander à mon fournisseur si il peut donner la même matière que ça en bague, en boucle, en bague et en boucle. Donc c'est un peu ça. Voilà, je veux pas des gens négatifs ici. La prochaine fois, je te bloque. Voilà.
et ton temps. Voilà, pour mon temps, je vous conseille vivement d'acheter votre gamme CL Beauty. Voilà, CL Beauty, c'est le secret d'une peau éclatante, lisse, sans tache et doux, quoi. C'est-à-dire que si tu as besoin d'un teint comme pour la Lyon, voilà, sans quinto, sans rien, commandez vos produits CL Beauty. Vous connaissez le travail de CL Beauty. CL Beauty, c'est la qualité du produit et non la quantité. C'est la qualité de produit qu'il vous faut, qu'il faut à votre peau. Voilà. Donc, on va faire des grandes choses. Je vais vous proposer des très grandes choses. Aujourd'hui, vous m'avez montré que vous pouvez m'encourager à sortir des conneries. Et tous les jours, je vois votre amour. Je veux deux chaînes chouchou. D'accord, ma peau, ma faute. D'accord, je te réserve ça. Je te réserve ça. Je sais que tu connais, il y a le moyen de payer moi et tout. Ma Floline. Donc, je vais chercher les boucles. Je vais demander à mon fournisseur s'il peut avoir les mêmes matières en boucle. Tous les bling-bling que vous connaissez, je vais vous en procurer. Ne vous inquiétez pas. Donc, on va pendant qu'on fait le japap, je veux aussi, il ne faut pas qu'une femme reste à la maison, elle est frustrée. Ah, pourquoi je n'ai pas aussi les bijoux comme ça? Pourquoi quand la lionne fait le lien, les bijoux? Je veux aussi vous donner l'occasion de briller quand vous me regardez, hein, de chanchanier, hein? Hein, mes amours, voilà. Donc, c'est un peu ça. Et pour toutes celles-là qui ont les cheveux naturels, qui ont les cheveux crépus, qui ont les cheveux qui ont besoin de traitement, voilà. D'accord, maf, je veux Saint-Chaîne. Voilà. Donc, aujourd'hui, si on confirme, si après le live, on confirme les commandes, on sera à presque 6 personnes qui vont commander 5 Saint-Chaîne. On sera presque à 6 personnes. On sera presque à 6 ou 7 personnes qui vont commander 5 Saint-Chaîne. Et c'est beau. C'est bien, la famille. C'est bien. Et puis, quand vous allez me faire la recette, je vais progresser comme ça. Demain, on va dire que oh, je suis dans la sorcellerie. On va dire que oh, alors que c'est vous. C'est vous qui m'encouragez. C'est vous. Donc, pour ceux qui ont les cheveux crépus, les gens qui ont l'alopécie, les gens qui ont les problèmes de pellicule, n'hésitez pas à commander les produits Soa Beauty. Soa Beauty, c'est la gamme, c'est une gamme de produits pour cheveux. Qu'elle soit naturelle ou défrisée. Soa Beauty 6 aussi, c'est pour les barbes. Bunga, achète ta gamme Soa Beauty. Tu nettoies ton... Tu nettoies... Oh, Seigneur Jésus. Achète ta gamme Soa Beauty. Tu nettoies tes aisselles. Tu nettoies tous tes poils. Tu nettoies tes poils avec... C'est combien les chaînes? C'est 5000 francs la chaîne. Tu prends 5, on t'offre une chaîne. L'expédition, j'expédie partout en Europe, partout. Bunga, achète la gamme Soa Beauty. Tu me fraudes les trucs là avec. Tu me limes bien le truc là avec. Parce que ça ne va pas. Un homme ne peut pas se laver en 5 minutes. 3 minutes chaque jour. Non? Et puis tu t'assois, c'est la même bouche que tu ouvres pour nous insulter. Pour insulter maman Anna. Tu es née, papa. Tu n'es pas née. Tu n'es pas, tu as cœur de poulet. Quand elle m'assoit sur toi 5 minutes, ce n'est pas sur la page ici qu'elle veut te laver. Ici là, la page ici c'est pour le commerce, pour renchérir, hein, pour mes deux émissions. Et pour mon commerce. Il y a la nouvelle page là, Ashley Shop. C'est là-bas qu'elle veut commencer à laver tout. Quelqu'un me prononce, c'est là-bas qu'elle parle avec la personne. Ce n'est plus ici, là, pour vous donner la stamania ici. Ce n'est plus ici. Voilà. Je veux deux chaînes. Et Chanel et lui. D'accord. Stallone, Jemo, écris-moi sur WhatsApp, s'il te plaît. Ou tu m'écris en eBay. Voilà, soit tu fais le dépôt, tu me donnes le numéro de la personne à qui je vais remettre, soit tu m'écris sur WhatsApp, tu me dis où je peux envoyer. Voilà, donc c'est un peu comme ça que je procède pour les livraisons. Deux chaînes, merci beaucoup pour les encouragements, franchement. Ce soir, il y a beaucoup de commandes, mais j'espère que vous allez venir confirmer vos commandes en eBay, s'il vous plaît. Parce que quand je vois là...
On peut facilement. Peut-être ce soir, on a même vendu presque. Hein? On a vendu presque, j'estime. Si on peut déjà aller dans les. Hein? Dans les 30 chaînes à 25 chaînes. Hein? J'estime. Donc, confirmez-moi seulement votre commande et je viens faire votre témoignage en direct. Vous savez que quand vous achetez, viens faire le témoignage, non? Wow, c'était grave! Les deux jours, c'était grave! Donc, c'est un peu ça. Il y a des personnes qui viennent gérer le stress, la frustration sur la toile. Comment se passe vu qu'on est FP? Zara, vu que tu es SP, FP, chérie, tu m'as vu exposer un FP. Tu connais le nombre de FP que je leur coordonnées là-bas en Beng. Non, je ne suis pas comme ça. Même si tu m'insultes après, je vais seulement te garder que pardon, pas avec ta marche. Je ne peux pas gâter mon commerce. Jamais. Je ne peux pas. Je n'ai jamais publié l'identité de quelqu'un et ce n'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, ou alors, tu fais juste le dépôt et tu me dis, je pars, j'expédie peut-être à ta personne ou bien je donne à ta famille et puis j'indique même où ta famille peut aller expédier. Donc, ça dépend de toi. Livia Christie. Coucou l'alien, ma chérie, bonsoir. Bonsoir Livia. Comment tu vas? Tu vas bien, ma chérie? Donc, n'ayez pas peur de commander votre lion CSTR. Michel Dora, pour moi, ne t'inquiète pas. D'accord, Michel. Non, tu as dit que je ne m'inquiète pas. Je sais déjà. Je sais déjà que ta part est confirmée. Donc, j'attends la confirmation des autres. Voilà, la famille, je pense qu'on a commencé le live. Il faut déjà que je parle à mon chéri. Il est 22h. Donc, je dois vous laisser. Voilà, on ne fait pas plus de... Nous ne sommes pas là dans les cris de guerre. Voilà. Je vais vous laisser ce soir. Je n'ai pas assez d'énergie pour durer, pour passer toute une soirée en live. Je suis encore convalescente. Et demain, je dois me lever un peu tôt pour pouvoir aller expédier mes colis. Donc, prenez soin de vous. Et merci à tous ceux-là qui ont suivi l'émission Actualité de la Toile. C'était juste pour vous renchérir. Nous allons noter aussi dans l'émission Actualité de la Toile que le couple Amot, Fleur de Lille, la légende, Mama Moon, Tata Lolo TV, la plus grande présentatrice Web TV, ont été à un mariage qui a fait couler les salives. C'est-à-dire que le bavardage, on a crié partout. Ouh, ouh, ouh. Maman m'a fait fort. Hey! Maman vous connaît. Maman vous connaît vous faire bavarder. Maman, elle a ciré les chaussures de son président, de son papounette. Que je scie aujourd'hui, je scie demain. C'est comme ça quand on aime sa personne. Vous allez rester là à juger les gestes des gens. Oh, c'est monté. Oh, c'est descendu. Quand tu aimes quelqu'un, montre-lui que tu l'aimes. Tu gardes que quand tu vas mourir, tu vas mettre ça où? Chouchou, ton toque porte, c'est bientôt, il paraît. Hé! Chouchou! Il t'a appelé combien de fois? Donc, en fait, quand tu aimes quelqu'un, montre-lui. Moi, quand j'aime quelqu'un, je montre. Je lui montre. Ce n'est pas quand elle veut mourir que je vais lui montrer que je l'aime. Non, je te montre là que je t'aime. Oui, ce n'est pas sa mort que tu vas venir dire que le président m'a été tout pour moi. C'est monté. Non, 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 non. Non, 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 c'est pas comme ça que ça fonctionne. La reine mère, quand elle aime quelqu'un, elle c'est-à-dire, elle monte. Elle ne cache pas ses émotions. Elle ne cache pas ses émotions. Moi-même, je suis comme ça. Nous sommes nous comme ça. Hein? Elles ont fait le show avec les tata Lolo. Maman, l'ambiance des Yamsers. Ouais, l'amour des hommes, ça a le goût. Hein? Là, c'est tout de quelqu'un, maman. Qui veut être seul au monde? Qui veut être seul au monde? Personne. La juju, maman. Tata Lolo, c'est la juju de maman.
La juju de quelqu'un, maman, sur Facebook. Hey! Ayez vos juju vivants. Chacun doit avoir sa juju. Pourquoi vous enviez leur vie? Christian de Monaco, tu passes ton temps à parler de la vie de la légende plus que la vie de ta star. C'est un phénomène que je n'ai pas encore compris. C'est quand moi je n'ai rien à faire que je parle de ta star. Toi tu passes tout, chaque jour les faits et gestes de la légende. C'est toi qui publies. Même les abeilles ne publient pas comme toi. C'est-à-dire que tu es le fan numéro un de la légende. Toi Christian de Monacelet. Tu fais ça comment mon frère? Comment tu peux prédire que tu détestes quelqu'un et tu es plus fan que ses fans? C'est-à-dire les petits moindres gestes. Un peu, tu as filmé Tata Lolo posté. Un peu. Mais même ta patronne, tu n'arrives pas à faire la même chose. C'est pas normal, mon frère. Valorise ta star. Tu laisses les stars des gens. Les lolomaniens sont là pour valoriser leurs stars. Les abeilles sont là pour valoriser les stars. Toi, tu n'es pas blogueur. Tu es faux profil. Tu soutiens ta star. Tous les jours, tu soutiens. Tu es sur les postes de Mafo. Tous les jours, dès que Mafo fait un poste. Ouais, le ventilateur, si. Dès que Mafo fait un poste, pas, tu as décrypté. Tu as fait le poste pour parler. Ta patronne peut faire même 20 postes. Tu ne parles pas de ça. Christian de Monachene. Tu ne parles pas de ça. Mais dès lors que Mafo, ma maman poste, pas, tu as même. C'est-à-dire que moi-même, que c'est ma maman. Je ne fais pas les posts sur elle comme toi, Christian. Dis la vérité à Nganga, que tu l'aimes. Dis que tu es fan d'elle. En qui tu sens. Nganga là-bas, où elle est au Gabon, oh. Tu ne filmes pas, tu ne postes pas, tu ne fais rien. Mais dès que la Mafo se déplace, dès qu'elle lève le verre comme ça, que tu as parlé de ça. Dès qu'on fait une petite sortie ou bien un petit truc, pap, tu as dit que wow, la fille si. Tu parles de nous. Mon frère, occupe-toi de tes oignons. Occupe-toi de ta star, mon frère. Tu n'as rien à faire, Christian de Monaco. Tu t'ennuies. Ta star ne te donne pas le work. Maman Lili de la tour. Maman Lili, encouragez-moi à acheter les chaînes, Maman Lili. Maman Lili. Maman Lili. Encouragez votre fille. Achetez les chaînes, elles coûtent 5000 francs. Maman Lili. Christian de Monachele, occupe-toi de ta star. Valorise Nganga. Quitte derrière la star des abeilles. Quitte derrière ma maman. Wow, elle porte les talons. Woup, elle a porté les talons. Wow, elle change la bière, porte le rose ou le jaune. Wow, elle a porté le rose. Wow, elle porte. Mais mon frère. Mon frère. Il y a quoi non? Tu es fan? Tu veux déjà être abeille? Christian de Monachele, tu veux être abeille? Tu parles doucement. Si tu veux être abeille, tu parles doucement. Hein? Je vous avais dit ici que je répète dans l'émission Actualité de la Toile. L'abbé Samé va laver Nganga, mais de haute forme. Vous avez compris avec quoi? Ça va prendre le temps que ça prendra. Mais vous avez toujours dit que la lionne, si elle fait comme une voyante, il va laver la personne qui va donner la stamania à l'abbé Samé, c'est Nganga. Il va s'asseoir sur Nganga, personne ne va l'enlever. Ça, c'est la deuxième fois que je vous dis ça. Allez regarder ses lives, il a commencé. Après, il va un peu faire le vovoco. Vous pensez que je peux la clasher? Il va encore rester tranquille. Après, il va encore relancer un peu avec les pics. Après, il va un peu rester tranquille. Il va finir par s'asseoir, s'installer. Vous allez me dire, retenez la date si. Il va s'installer sur Nganga. Et ça ne chauffe pas. L'abbé Samé, tu vas combattre comme tu peux combattre. Mais c'est la loi de la nature. Youbiou, face à la loi de la nature. Le sale que vous avez fait, ça va. L'âme là va se retourner comme ça. Bam! Tu as compris avec quoi? Vous allez venir dire demain que la lionne avait parlé. Rapundolo, non. Tu penses que tu es qui? Tu n'es personne devant Dieu. L'âme là, c'est comme ça. L'âme là est comme ça. Mais tu essayes de faire comme ça. Mais ça fait toujours ça. Tu vas comprendre. Amitissi, comment tu vas?
Je vais bien, ma grande. Merci, maman Lily. Maman Lily, que tu es belle. Merci, maman Lily. Même comme j'étais malade, maman Lily, peut-être c'est la maladie qui m'a encore rendu trop belle comme ça. J'étais un peu souffrante, mais ça va déjà un peu. Ça va, je parle. Si je parviens déjà à faire un live de 1h30, 2h, c'est que ça va déjà. Mais je vais arrêter la famille. Franchement, j'aime pas faire les longs lives. Hein? Occupez-vous de vos stars. Faites les puissances de vos stars. Quittez derrière les stars des gens. Quittez derrière eux. Quittez derrière les stars des gens. F.P. ma fauchou, ma sisto. Coucou, mais j'espère que tu vas bien. Non, ça va, ça va, ça va. Il n'y a pas de souci. Ça va, ma bique. Hein? Christian de Monaco, tu ne peux pas faire 5 posts sur la star de quelqu'un. Et pour ta propre star, tu fais 2-3 jours, tu ne parles pas d'elle. Je t'ai déjà dit que occupe-toi de ta star. Si tu ne t'occupes pas de ta star, qui va s'occuper de... Il y a quelqu'un qui a oubou. Il y a quelqu'un qui a oubou qui peut s'occuper de ta star. Je prends 5 chaînes, mais c'est pour ta maman. Merci! Merci beaucoup, ami Tissier. Maman, voilà le numéro orange, mon équipe épinglé, ma, ami Tissier. J'attends la confirmation, maman. Je vais venir faire ton atalakou. Jeudi, jeudi, on a, n'oubliez pas notre deuxième émission, jeudi, jeudi à, je pense que c'était 19h, non, la famille. Jeudi à 19h, la solidarité avant tout. Voilà. Et on va inviter la maman d'Eva, de l'association Le Sourire d'Eva. Elle va venir nous dire ce qui s'est passé avec Eva, comment elle a attrapé la maladie, comment ça se passait, jusqu'à ce qu'elle décède. Donc, ne ratez surtout pas l'émission La solidarité avant tout. Jeudi, voilà. Donc, je vais vous laisser la famille. Ami Tissier, j'attends. Oui, 20h, excusez, 20h. Merci, Maf. Merci de m'aider. 20h, l'émission, c'est à 20h, jeudi. Donc, je vous attends massivement jeudi. Donc, j'ai écrit sur WhatsApp. D'accord, Ami Tissier, écris-moi, ma grande. Écris-moi. Merci beaucoup pour la recette. Merci beaucoup. Oh là là. Oh là là, je vous adore, mes amours. Bonjour Laliane, je suis passée dans votre boutique, je ne t'ai pas vue. Je ne suis pas stable, je suis une star. Oh my God. Please. Blessing, mon cœur. Est-ce que je peux rester sur place, moi? Est-ce que je suis stable, moi? Je ne veux pas être stable. Hein? Même pour ma sécurité, je ne peux pas être stable. D'accord, mon cœur? Alors, si tu veux me parler, si tu veux me voir, tu m'appelles. Tu commandes les chaînes, je viens te livrer. Comme ça, tu vas me voir, non? Hein? Moi, je livre les chaînes personnellement. Moi, je livre personnellement. Personnellement. Et maman là qui a pris une perruque. Non, c'était une perruque, je pense. Voilà. Une maman à belle âge, je suis allée livrer moi-même. Elle dit que, hey, la vienne, tu es venue? Que oui, je viens te livrer, maman. Je pourrais aller envoyer un livreur. Je connais les livreurs, mais moi, je livre mes clients. Sauf si le client ne veut pas qu'on découvre son visage. Il me dit que non, envoie un livreur me livrer. J'envoie le livreur. Il n'y a pas de souci. Donc, la famille, je vais vous laisser. Je vais me reposer. Voilà, je n'ai pas assez d'énergie pour durer. Bisous à vous. Prenez soin de vous. Soyez bénis. Merci pour votre recette aujourd'hui. Si aujourd'hui les commandes sont confirmées, c'est qu'aujourd'hui on va vendre au moins, si c'est petit, 30 chaînes. Et c'est magnifique. C'est magnifique. Si à chaque direct, vous achetez au moins 20 chaînes, c'est que c'est magnifique, la famille. C'est que, en fait, je serais contente de me lancer dans l'entrepreneuriat. Voilà. Donc, merci beaucoup à ceux qui me soutiennent, à ceux-là qui ont passé les commandes. J'attends votre dépôt, ou c'est vos dépôts en eBay, et la confirmation de vos commandes en eBay. Voilà. Merci beaucoup. Et pour moi, mon client, la discrétion est primordiale. Primordiale. Donc, discrétion totale. Sandrine Fognan, bonsoir ma grande, je suis déjà en train de partir. Oh là là, vous êtes encore sans quelque chose.
J'ai oublié quoi? Voilà votre thé, minceur. Pour ceux-là qui veulent encore maigrir, puisque maman, je ne veux plus moi maigrir. Mon gars a dit que j'arrête comme ça. Donc, je ne veux plus moi maigrir, maman. Je ne veux pas être l'esclette. N'hésitez pas de commander votre, votre programme minceur Dynamic Queen et Dynamic Fighter. Voilà. Dynamic Queen, c'est un coup de fin. Voilà. Attendez, je vais arrêter un peu la lumière. Dynamic Queen, c'est un coup de fin. Dynamic Fighter, c'est un thé. C'est un thé dégraissant. Donc, on vend la paire comme ça. Deux ici à 35 000 francs. Deux ici à 35 000 francs. Je vais mettre les coordonnées en haut du direct pour ceux qui ont besoin de ce programme minceur. Moi, j'ai bu la quantité que je pouvais boire. Mon gars a dit que non, je ne veux plus que tu maigris. Donc, j'ai donc arrêté. Maintenant, je vais reprendre peut-être dans un mois ou deux mois pour maintenir mon poids. Même, vous avez dit que la lionne ne boit pas trop, ne boit pas trop, ne boit pas trop. C'est quoi? J'ai respecté, non. Il ne faut pas qu'elle maigrit devant vous. Elle maigrit, la maladie vient comme c'est venu l'autre jour. La maman m'a dit que hey, la fille est malade. Tata mi beauté. Ma tata. Donc, n'hésitez pas à commander votre programme minceur Dynamic Queen et Dynamic Fighter. Voilà. Donc, voilà. Et vous connaissez le secret de ma peau. Donc, je n'ai plus besoin de trop de pub. C'est Albioti. Je vous laisse la famille. Prenez soin de vous et à plus tard. À plus tard. À plus tard.